dirai à la cuisinière que le banquier de monsieur vient dîner. Bien, madame. Ah, Mathilde, que ta visite me fait plaisir. C'est du Porto. Un voyageur de nos amis nous le rapporte. Tu connais le Porto, bien sûr. Bien sûr. Notre grand ami, le docteur Jolibois, dit que c'est excellent pour la santé. Nous en buvons fréquemment. Ah oui, nous aussi. Oh, regarde-moi ça. Lucie a encore laissé traîner mes bijoux. Je peux les voir? Naturellement, ma chère. Attends, j'ai aussi... C'est très beau. Comme tu as de la chance, Jeanne. Allons, allons, qu'est-ce que ça change entre nous? Sais-tu que je me dis très souvent que nous devrions nous fréquenter davantage? Quand je pense qu'au couvent, nous étions inséparables. Charles, enfin, mon mari a tellement de responsabilités. Au ministère, ils ne peuvent rien faire sans lui. Ah, Loisel, c'est vous que je cherchais. Pour demain soir. Mais ça va bien prendre 3 jours, monsieur le chef de bureau. J'ai promis à monsieur le sous-chef de cabinet que je ferai traiter ce dossier par un collaborateur en qui j'ai la plus grande confiance. Ça ne peut être que vous, mon cher Charles. Merci, monsieur Marons. Monsieur le sous-chef de cabinet sera sensible à votre dévouement. Et je serais bien surpris qu'il n'en touche pas un mot au chef de cabinet lui-même, qui pourrait en parler au sous-directeur. Vous voyez à quoi je fais allusion. Ah. Ce qui va se passer la semaine prochaine. Mmh. Pour demain soir. C'est ça. Je dois y aller chercher d'autres navets, madame? Mais non, ma pauvre fille, vous voyez bien que c'est suffisant. Ce n'est que du pot au feu. Ça sent bon le pot-au-feu! J'en raffole. J'ai un travail urgent pour demain. Monsieur Maroncin m'a dit que c'était une mission de confiance. Je n'irai plus jamais chez Jeanne Forestier, plus jamais! Vous êtes amis pourtant. Elle est riche, tu comprends? Elle est riche! Je me sens salie! Humiliée! On n'est pas malheureux. Oh, toi, du moment que t'as ton pot au feu! Tout le monde n'en mange pas. Jeanne a une cuisinière et 2 femmes de chambre. Elle boit du Porto. Elle a des bijoux. Et moi, je supporte Marie-Vonne, la plus stupide de toutes les bonnes. Ça s'arrangera. Voilà, monsieur Maroncin. 15h12. Ben, vous voyez, Loisel, que j'avais raison de vous faire confiance. Non, mais c'est parfait, vous pouvez disposer. Si jamais, enfin, si monsieur le sous-chef de cabinet est satisfait, pour la semaine prochaine. Faut pas viser trop, Loisel. Confiez-moi d'autres dossiers urgents. Urgent. Je ne vous ai jamais dit que c'était urgent. Je vous ai dit que c'était une mission de confiance. Je serais très honoré si monsieur le sous-chef de cabinet m'accorde sa confiance. Bon, ben je vais voir ce que je peux faire. Mais si ça marche,
Dites-vous bien que c'est parce que le sous-chef de cabinet me tient en haute estime. Certainement, monsieur Marans. Mathilde ! Mathilde ! Mathilde ! C'est pour qui ? Pour Mathilde. Monsieur le ministre de l'Instruction publique et Madame Georges Ramponneau prient Monsieur et Madame Charles Loisel de leur faire l'honneur d'assister à la soirée du ministère le lundi 11 juin. Ah, Mathilde, qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Que veux-tu que j'en fasse de cette invitation? Je penserais que tu serais contente. Tu sors jamais, c'est une occasion, ça. Et une belle. Je t'avoue que j'ai eu une peine infinie à obtenir ce carton. Tout le monde en veut. C'est très recherché. On n'en donne pas beaucoup aux employés. Mais il y aura tout le grand monde à cette soirée. Mais mon pauvre Charles, qu'est-ce que je me mettrai sur le dos? Je sais pas, moi, la robe avec laquelle tu vas au théâtre, elle est très bien. Alors, ma chérie, ne pleure pas. Pleure pas, je t'en supplie. Voyons, combien nous coûterait une toilette convenable qui pourrait te servir en d'autres occasions, quelque chose de simple? Je ne sais pas, mais quelque chose comme 400 francs. 400, hein. Tu vois, tu refuses. Ah non, 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 c'est pas cela. Je pensais m'acheter un fusil pour cet automne. Pour aller tirer des alouettes avec des amis, des gens importants. Dans ce cas, donne cette invitation à un de tes collègues dont la femme sera mieux nippée que moi. Tu sais, pour plus tard me reprocher mon fusil. Achète ton fusil et n'en parlons plus. Je ne peux pas supporter l'idée de posséder un fusil quand ma femme n'a rien à se mettre. Mais les alouettes... Elles auront un sursis. Dès demain, je te donnerai les 400 francs, tu iras t'acheter ta robe. Qu'en penses-tu? C'est une belle robe. Combien a-t-elle coûté? Elle valait 450 francs, mais elle laissait à 420. Quand même. À ce prix, tu devais être content. Mmh. Je t'assure, c'est une très belle robe. Mais pas ça, mais... Je suis ennuyée de n'avoir pas un bijou, pas une pierre. Je vais avoir l'air misère comme tout. J'aimerais presque mieux ne pas aller à cette soirée. Maintenant que la robe est achetée, enfin voyons Mathilde, il a quand même des fleurs naturelles, c'est très chic, ça. Mais, par exemple, une rose, là, puis... Une ou deux autres par là. Pour 10 francs, tu peux avoir 3 roses magnifiques. Tu n'y penses pas. Les fleurs, c'est le plus sûr moyen d'avoir l'air pauvre au milieu des riches. Eh bien, une autre solution. Laquelle? Bijoux factices, qui imitent les vrais. Je n'oserais même pas m'approcher de qui que ce soit, j'aurais trop peur qu'on s'en aperçoive. Personne ne peut faire la différence. Moi, je la sentirais. Je ne penserais qu'à cela. Je serais toute raide. J'y suis. Demande donc à ton amie Jeanne Forestier de te prêter ses bijoux. Jamais, Charles. Mais enfin, que crains-tu? Je t'ai dit que je m'étais sentie humiliée. Il faut savoir passer là-dessus si tu veux obtenir quelque chose. De toute façon, elle refusera. Essaye au moins. Je n'y tiens vraiment pas. Alors c'est moi qui vais aller lui demander. Toi? Pourquoi non? Ce serait inconvenant. Cela lui ferait remarquer que nous nous situons au-dessous d'elle. Moi, je dis, on peut demander ce qu'on veut du moment que c'est pour la bonne cause. J'ai tout de suite vu que cette parure t'avait tapé dans l'œil. J'ai bien des bijoux, mais rien d'aussi beau.
Je te la prête. Oh, Jeanne, comme je t'aime, comme je t'aime. Oh, Mathilde, tu es une enfant. Alors, loiselle. Oui, monsieur Marron. Oui, hein. Alors, c'est une belle soirée, n'est-ce pas? Je vous remercie infiniment. Mais je vous en prie. Madame, ce fut un plaisir et un honneur. Pour moi aussi, monsieur le ministre. Et votre charme n'a d'égal que votre élégance. Oh, je vous présente mon mari. Ah, mon cher, vous avez de la chance. Dépêchons-nous. Charles, passez-vous vite. On aurait pu prendre un fiacre. Oh, on sent trop cher la nuit. La fête est bien finie. Tu t'es bien amusé, non? Oh, oui. Mais demain, tu seras au ministère et moi à la maison. On sera réinvité. J'en suis certain. Comment peux-tu en être certain? Le ministre n'a pas dansé avec toutes les femmes comme il a dansé avec toi. Il y aura d'autres réceptions avant l'année prochaine? Et pour sûr. Alors, si tu te fais apprécier davantage, on nous réinvitera. Mais oui. Je me tue à te le dire. Tu devrais demander à travailler plus. Égal que votre élégance. Ah! Qu'est-ce qu'il y a? La rivière. La parure, j'ai plus la parure. Mais quoi, c'est pas possible. Mon Dieu. C'est pas possible. Mon Dieu. C'est pas possible, voyons. On va la trouver. Mon Dieu. Voyons. Mais t'es sûr que tu l'as vu en quittant le bal? Mais oui, si tu ne t'étais pas endormie sur cette banquette, tu l'aurais vu. Bon, je vais refaire tout notre trajet jusqu'au ministère. Oui. Elle a dû tomber dans la rue.
Qu'est-ce que c'est que ce raffut ? Faut écrire à ton ami, lui dire que la fermeture de la rivière s'est brisée et que tu l'as fait réparer. Ils gagneront ainsi un peu de temps. Moi, je vais aller passer une annonce dans les journaux. Nous sommes des bourgeois honnêtes. Nous n'avons rien fait de mal. C'est pour cela que nous pouvons nous couvrir de honte en allant dire la vérité. Si on ne retrouve pas ce collier... Il faudra lâcher un autre. C'est au-dessus de mes forces de faire une lettre à Jeanne. Dicte-la à moi. Oui, ça va bien chez moi. C'est un dessin que nous avons fait de mémoire. C'est une parure auquel nous tenons beaucoup. Hélas, elle a été perdue. Votre croquis est assez précis. Mais ce bijou ne venait pas de chez moi. Je n'ai vendu que l'écrin. Et combien cela coûterait-il d'en faire un tout pareil ? Je dirais... 40 000 francs. Enfin, pour une commande ferme avec versement dans la compte... Je vous le ferai à 36 000. Je peux m'entretenir un instant avec ma femme. Je vous en prie. Prenez votre temps. Voyons, nous avons les 16 000 de l'héritage de mon père. Il faut encore trouver les 20 000. Nous avons des amis, des relations, ils nous prêteront. Et puis tu travailleras davantage. Monsieur, je crois que nous allons faire affaire. Je vous ai dit tantôt que ce bijou avait disparu. Si toutefois nous le retrouvions, accepteriez-vous de nous reprendre celui que nous allons vous acheter ? Certainement, monsieur. Dieu merci. Mais au prix de 34 000. Mais nous l'achetons 36 000. Je fais du commerce, petite madame. Marie-Yvonne, je ne peux plus vous garder. Nous devons nous passer de vous. Et qui c'était qui veut faire l'ouvrage alors ? J'ai trouvé 8 000 francs auprès d'amis et de connaissances, mais il me faudra encore 12 000 francs pour atteindre la somme dont j'ai besoin. Ce n'est pas une petite somme, 12 000 francs. C'est ce qu'il me manque pour éviter le déshonneur, monsieur. Je vois. En combien de temps pensez-vous me rembourser ? Je ne sais pas. 10 ans. 10 ans ? C'est long. Mais c'est vous qui choisissez. Je peux consentir à vous prêter 12 000 francs à 25% d'an. Mes amis me prêtent à 5. Hélas, je n'ai pas la chance d'être de vos amis, monsieur. Que décidez-vous ?
35 000, 35 500, 36 000. Identique à celle que vous avez perdue. Lucie ? Lucie ? Madame a appelé ? Mettez ça dans le coffre à bijoux. Bien, madame. Je ne te fais pas de reproches, mais tu aurais pu me la rendre plus tôt. Ce sont des choses dont on a besoin. Je te remercie encore, Jeanne. Cinq sous de mieux. Demain, j'aurai remboursé notre dernière dette. Nous sommes arrivés au bout, ma chérie. On fait attention. C'est un sous l'enveloppe, quand même. Ça fait 10 ans que je fais attention. 10 ans. Nous avons vendu nos meubles. Tout notre salon. Nous ne prenons qu'un repas par jour. Je me suis esquintée à faire le ménage chez les autres. Pas dans notre quartier. Personne n'en a jamais rien su. Et nous n'avons pas eu d'enfants. Nous allons retrouver une vie normale, Mathilde. Et
Pour commencer, tu feras des petites promenades qui te délasseront. Bonjour, Jeanne. Je suis désolée, madame, mais vous devez vous tromper. Non. Je suis Mathilde Loisel. Mathilde ? Non, mais comme tu as changé ? Non, je veux un bateau. Va le choisir, mon chéri, j'arrive. J'ai eu des jours bien durs et beaucoup de misère. Tout ça à cause de ta parure de diamant. Comment ? Tu me l'avais prêté pour aller à la soirée du ministère et je l'ai perdu. Mais non, voyons, tu me l'as rapporté. C'était une autre. Toute pareille. Nous avons mis 10 ans à la payer. Enfin, c'est fini. Tu dis que tu as acheté une parure de diamant pour remplacer la mienne. Oui. Tu ne t'en es pas aperçue, hein ? Elle était bien pareille. Oh mon Dieu, mais ma pauvre Mathilde. La mienne était fausse. Elle valait à peine 500 francs.